Madame, racontez-nous comment le Saint-Esprit a travaillé dans votre vie après que vous ayez entendu ce message, après que vous ayez entendu cette parole. Il a travaillé de cette manière. Il m'a dit d'écrire et je me suis dit, comment écrire de manière à ce que j'arrive à visualiser et garder cela à l'intérieur de moi et le faire grandir dans mon cœur. Et je me suis dit, je crois que la meilleure manière, c'est de prendre des photos. Et c'est à partir de ce moment que j'ai créé un cadre que j'ai nommé le cadre de la vision. Et ce que j'ai appris en créant ce cadre, c'est que l'un des plus grands problèmes que nous affrontons la plupart du temps, ce sont nos pensées. Parce que de la manière comment je pense, c'est ainsi que cela va arriver. Alors, j'ai décidé de penser à des choses qui m'apportent la réponse. Certainement, cela arrivera dans ma vie. J'ai enlevé la tristesse car le temps m'avait attristée, car je ne voyais pas la réponse. J'ai enlevé aussi l'amertume parce que je suis arrivée à l'église en 1999. On était déjà arrivés en 2006 et mon rêve était d'avoir une famille, me marier, et tout cela n'était toujours pas arrivé. 7 ans étaient déjà passés et vous n'avez pas encore obtenu la réponse de ce que vous vouliez par rapport à votre mariage, à votre famille. Par conséquent, vous portiez cette amertume dans le cœur. Alors, lorsque vous avez entendu cette parole, au lieu de vous plaindre, vous avez écrit votre vision. C'est ça. Je me suis dit que j'ai 2 choix. Soit je continue d'être triste par rapport à cette situation, ou je vais présenter à Dieu ce que je veux, car c'est écrit. Et je vais faire comme Habakkuk a fait, je vais écrire ma vision. La caméra peut-elle montrer le cadre? Zoomer sur le cadre. Regardez le cadre qu'elle a fait. J'ai mis ici une photo d'une voiture. Et si vous me demandez si j'ai acheté la voiture, je vous répondrai que non. Parce qu'à l'époque où j'ai mis cette voiture dans le cadre, je voulais une voiture 0 km. Mais le temps est passé et je me suis rendu compte que la voiture est passagère. Et je me suis dit, alors je vais me faire de l'argent. C'est-à-dire, j'ai changé mon objectif, mais j'ai eu des conditions financières pour acheter cette voiture. Après, est arrivée la question sur mon mariage. J'ai mis ici plusieurs photos de couples en train de se connaître. Pourquoi des couples? Car je me suis dit, je vais me marier avec le premier que je vais connaître? Je ne sais pas. Alors, j'ai mis plusieurs couples en train de se connaître et une seule photo de mariage. Parce que je me suis dit, la personne que je déciderai avec qui je me marierai, ce sera pour toujours. J'ai mis ici aussi des photos d'appartements. Je me suis dit que je voudrais habiter dans un quartier chic au Brésil. Et aujourd'hui, j'habite dans un quartier chic au Brésil. J'ai mis ici une photo d'une table. Mais cette table est très spéciale. C'est la table où le président signe les papiers. Alors, je me suis dit, je vais mettre la photo, mais a-t-il déjà signé ce que je veux ou va-t-il encore le faire? Alors, au moment de coller la photo, je me suis dit, même s'il a déjà signé ce que je veux, il a signé quelque chose qui va me bénir. Et c'est le lieu où je travaille aujourd'hui, qui est dans le gouvernement fédéral. C'est ce que vous avez déterminé. J'ai déterminé. Allons imaginer qu'un athlète passe en courant devant le temple. Certainement, il verra le temple. Alors je me suis dit, je vais attirer l'attention de Dieu. Je vais être grande, car c'est la direction que Dieu a donnée à Habakkuk. Alors, je ferai ainsi pour que Dieu puisse me répondre. Alors, tout ce que vous avez mis dans ces cadres s'est réalisé. Oui, et j'ai d'autres cadres. J'ai vu que vous avez appelé devant ceux qui étaient malades. Et je me suis souvenu qu'il y a quelque temps, j'avais été diagnostiquée avec de la sclérose en plaques. Et lorsque j'ai appris cela, j'ai mis des photos où étaient des cerveaux guéris. Et je suis allée voir le médecin. J'ai commencé le traitement et en 2 ans, j'ai été guérie.